faut mettre la ceinture de sécurité. N'est-ce pas, Marin? Ouais, ça. Pour des questions de sécurité. Les amis, l'heure est grave. C'est gâté. Ouh, c'est gâté, c'est gâté, ça pété, c'est gâté même. Mettez les cœurs, partagez la vidéo. Pompez-moi les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Vous savez que si je ne vois pas les cœurs, je ne parle pas. Voilà, je ne parle pas. On ne pleure pas. Il est interdit de pleurer. Partagez, mettez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Je ne vois pas les cœurs. Pompez les cœurs, pompez les cœurs. Tous ceux qui mettent les cœurs, que Dieu vous bénisse. Maintenant, ceux qui donnent les étoiles, que Dieu vous élève. Je ne vois pas les cœurs pour le moment. Hein. Je ne vois pas les cœurs. J'ai de bonnes nouvelles, très, 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 très bonnes nouvelles. Et aussi de mauvaises nouvelles. Mais j'ai de bonnes, je dis partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Appelez-moi Jesse J, appelez-moi tous ceux-là, appelez-moi les gorilles, appelez-moi tout le monde, que tout le monde vienne, que tous viennent. Appelez-moi tous les influenceurs, tous les blogueurs. Il y a des mandats d'arrêt bientôt qui seront lancés. Je vous donne l'information. Voilà, quand on parle, partagez-moi la vidéo à 1000 personnes, je commence à parler. Ou bien, Marie, ouais. Si on ne voit pas 1000 personnes, je ne parle pas. Bien sûr. Ouh, les gars, pompez les cœurs. À 1000 personnes, je commence, moi, je commence à parler. Je ne vois pas les 1000 personnes. Et tous ceux qui partagent, faites les captures pour m'amener en inbox pour recevoir vos lots. Tous ceux qui partagent, faites les captures. Voilà. Si je vois les 5000 partages, je commence à parler. L'heure est grave. Peter 007, Seigneur. Seigneur, j'ai les dernières informations. C'est gâté. C'est gâté, c'est gâté. Mais je vais vous donner les bonnes nouvelles aussi. Oui. Appelez-moi tous les influenceurs du RHDP. J'ai affaire à eux. Ouais. Parce qu'on dit, Makoso, si tu parles, on va t'arrêter. On va te mettre en prison. Moi-même, j'ai envie d'aller en prison. Ouais, je vais rejoindre Peter. Donc, je vais parler ce soir. Je veux voir les 1000 personnes avant de commencer à parler. Voilà. Je veux voir les... Non, si je... Vous me demandez de parler sans partager, vous foutez de ma gueule. Vous allez jouer avec l'influenceur le plus redoutable du continent africain. Vous allez vous amuser avec moi. C'est pas moi, vous allez m'amailler. Je vois pas les 1000 personnes, je ne parle pas. Cliquez, mettez les cœurs. Maintenant, où sont mes commandos? Partagez le direct dans tous les groupes WhatsApp. Je veux parler. Voilà. Mais petit, tu es passé derrière. Ça va. Je veux parler. Appelez-moi Jesse J. Appelez le gorille des États-Unis. Appelez Lolo Beauté. Appelez l'unique Baker. Appelez-moi tous les... Taguez-les. Taguez-les. C'est gâté. Po, ce qui vient là n'est pas bon. Petit, ouais. Ce qui vient là n'est pas bon. Tic. Ils ont monté la vidéo depuis toi, le président de la République. La vidéo de Peter, là, ils ont monté sur le président de la République. Je vous donne des informations de ceci. Comment il parle là, vous-même, vous savez. Vous savez. Pour avoir les informations sur comment la police allait frapper là, il s'est allé rencontrer le directeur de la police. Ou bien Amara. Ouais. C'est le directeur de police, il s'est allé rencontrer pour avoir les informations. Donc quand je parle, j'ai causé avec un ministre qu'on parle. Il m'a dit petit. Il a dit qui est ton petit? Il dit, excuse-moi, général, mais c'est quand même ton grand-père, ton papa. Il dit, c'est pas ton petit. Quand il t'adresse à moi, c'est général, El Pibe de haut. L'homme tombé du ciel sans blessure. L'homme de la Cosa Nostra. Je m'appelle El Makoso. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, partagez la vidéo, j'ai des informations. Passez, messieurs, dans vos petits dégrébats. Passez. Voilà. Un beau petit bon, tous les béninois là. Pourquoi tu rires, mal? Aïe. Il a dit quoi? Vous les petits joulades, qu'on est des rebats nets, vous sentez frustré. Non. C'est pas des rebats, j'ai vu là. Les gars, je vois pas les partages. Je vois même pas les 5000 partages. Je ne peux pas, tous ceux qui partagent cette vidéo, en ce jour du 14 décembre, que la main de l'Éternel vous propulse afin qu'un témoignage de gloire, un témoignage probant, vivant, radical vous localise. Ceux qui partagent. Ceux qui ne partagent pas la vidéo, mes amis, c'est que vous n'avez pas les informations. Appelez-moi Jesse. Jesse, j'ai vu ta vidéo. J'ai aussi suivi la vidéo de mon petit, le gorille. C'est mon petit. Lui, ne fait pas clash avec lui. C'est mon fils. C'est un petit. Dans ma carte diplomatique. Voilà. C'est un petit. Elle est là.
Ok. Remets-la dedans. Yes. Petit garçon, ça va? Voilà. Ça, c'est au cas où le policier me sifflait. Mais il n'y a plus une voix où on ne doit pas prendre. Dans la vie, il est bon d'avoir une carte diplomatique. Tu as une immunité diplomatique. C'est important. Partagez la vidéo, partagez la vidéo. Mes amis, j'ai des infos. En temps normal, on devrait tomber 3000 personnes. Partagez-moi la vidéo, je vais vous donner les informations. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Partagez la vidéo, mettez les cœurs. Je ne vois pas les 2000 personnes, je ne parle pas. Parce que ce qui va sortir de ma bouche, c'est on dit, l'eau qui sort de la bouche de la grenouille, elle, l'eau, c'est-à-dire, elle est la plus fraîche. Les gars, c'est gâté. C'est gâté. C'est gâté. Peter s'est mis dans problème. Mes amis, notre ami Peter 007 s'est mis dans grave problème. J'ai vu Jesse J. Jesse, tu es un petit, tu es mon fils. Voilà, toi tu es mon frère. En même temps, tu es un frère. J'ai été avec toi au match de la Côte d'Ivoire. Tu as pu mesurer un peu ma popularité et ma dimension internationale. Mais Jesse, vous n'êtes pas des bons. Tu n'es pas bien. Il faut que je dise la vérité. Hein. C'est vrai que Jesse est en train de faire là. Tu n'es pas bien. Jesse, tu nous dis aujourd'hui que toi, tu es membre du GPS. Jesse, la majorité de vous tous qui suivez ce Guillaume là, c'est pas parce que vous croyez en lui. C'est parce que vous voulez manger l'argent. On n'a qu'à se dire la vérité. Peter n'a jamais suivi Soro Guillaume parce qu'il croyait en Soro Guillaume. C'est parce qu'il était un mouvement de jetons. On allait donner voiture, on allait donner, comment on appelle ça, jetons chaque fin de mois. C'est un amiral blindé. Tu regardes son français gauche, il y a quelqu'un qui s'est même pas allé, quelqu'un qui est jamais allé à l'école. Lui peut faire quel combat politique? Quelqu'un qui met là à la place de lui, lui peut faire quel combat politique dans ce pays-là? Le seul qui est convaincu qui fait le combat, c'est Soulé de Paris. Lui, il est convaincu. La guêpe, elle n'est pas convaincue. La guêpe, elle est dans la haine. Parce que sous les de Paris, il y a des moments donnés où ils défendent des idées qui n'ont rien à voir avec la politique, qui sont des cas, les cas sur le plan social. Donc sous les, je le connais, il mène un combat où il est convaincu lui-même du combat. Mais les Peters ne sont pas dans le mouvement. Je vous donne une première information. Écoutez-moi bien et partagez la vidéo. Peter a abandonné Soro Kibafori Guillaume. Je vous donne la première information. Voici ce que Peter lui-même a raconté à certaines personnes. Mais ce qui a tué Peter, je vous donne des pistes, c'est que Peter dormait avec une femme. Et avec cette femme, il a eu à faire beaucoup de confessions. Tu m'écoutes, Amara? Il a eu à dire beaucoup de choses. Comment il marche avec Soro Guillaume, tu avais se donner des points. Et comment ils allaient prendre bientôt le pays. Quand il n'est plus avec cette femme, que cette femme se retrouve en train de travailler sur la chaîne de télé du fils de la première dame, elle dit aussi beaucoup de choses. Parce que je comprends ma mère. Quand elle dit, mon copain, mon petit, faut suivre ma piste. Partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Partagez la vidéo, mettez-moi, je ne parle plus. Non, je ne vois pas les 3000 personnes connectées, je ne parle plus. Les papas ont commencé à sortir. Je ne parle plus. Je ne parle plus. Non, je ne dis plus rien. Je ne dis plus rien. Si je ne vois pas les 3000 personnes connectées, je ne dis plus rien. Wow, Peter, dans le problème. Tché. C'est-à-dire, problème, toi-même, tu veux t'approcher pour te dire, fous le camp. J'ai dit, non, vous savez, on parle des réconciliations. On dit, Makoso. J'ai dit, question de fous le camp. J'ai même pas parlé comme on va pas encore dire, petit, voilà premier dossier. Voilà deuxième dossier. Voilà troisième dossier. Moi-même, j'ai attrapé mon caleçon, j'ai fui. Amara, j'ai attrapé mon caleçon, j'ai fui. Ouh, je veux parler. Partagez-moi la vidéo, mettez-moi les cœurs. Sois béni, mon fils. Que le Seigneur veille sur ton âme. Sois béni. On est ensemble. Tu as béni, mon frère. Dis amen. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. J'ai dit, on est à combien? 1800. Je veux voir les 3000 personnes connectées. Qui a donné l'essence de toi? Que Dieu te bénisse. Si vous partagez la vidéo, jusqu'à 5000 partages, je casse les papos. Et tous ceux qui partagent la vidéo, faites les captures. Amenez-moi ça en inbox. Je mets 1 million aujourd'hui pour ceux qui vont partager la vidéo. Là, je suis en route. Je vais dans mon pays, le continent camerounais. Kylian Mbappé, tu as vu le but de Kylian Mbappé? Yeah, il faut être un Camerounais pour réaliser de tels exploits. Qui a qualifié la Suisse? C'est un Camerounais. Yeah. Donc la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde est en train d'être jouée par qui? Par des Camerounais.
Si Kylian Mbappé remporte la Coupe du Monde, c'est un Camerounais qui a remporté. Non, c'est le Cameroun qui a gagné. C'est un continent. C'est-à-dire, dans tous les coups, c'est le Cameroun qui marque. Oui, c'est le Cameroun qui donne la joie. C'est de ça qu'il s'agit. Camerounais, oh yeah, partagez la vidéo. Partagez-moi la vidéo. Donc, je vous explique. Donc, Peter a été avec une femme qu'il est venu dénigrer. Vas-y, tu comprends. Dans une affaire d'Allo Caviar. Allo, c'est pour poser question. C'est transformé dans Allo, c'est pour aller en prison. Donc, quand Peter casse les papos, la fille ne se fatigue pas. J'ai dormi avec toi. Tu es un homme de Sero, Guillaume. Tu m'as fait des confessions. Tu as trop parlé étant au lit. Allo, voilà ce qu'il me disait quand il était au lit. Champion, tu es dans pain. Il dit, il est dans vrai pain. Maintenant, on va aller plus loin. Il y a des informations qu'on ne veut pas vous donner, mais moi, je vais vous donner les informations. Peu importe ce que ça va me coûter. La vidéo où Peter disait qu'on va pisser sur le corps du président Ouattara n'est jamais sortie. Elle est sortie de qui? La vidéo est sortie des cyberactivistes proches de Sero Guillaume. J'enlève Soulé de Paris dedans parce que lui, c'est un homme vrai. Il n'est pas dans conneries comme ça. Même si on lui demande de me répondre, il a le droit de me répondre. Ouais, c'est. Mais il faut qu'on évite les injures. Sero Guillaume aujourd'hui est dans une dynamique où il a compris qu'il doit se réconcilier avec son papa. Peter a vu que le mouvement là, ça ne peut plus aller quelque part. Il faut qu'il se positionne. Donc il va rentrer à Abidjan. Et si M. Sarognon peut le faire entrer, peut-être que M. Sarognon peut le faire rencontrer le ministre de la Défense, Ibrahima, le ministre le plus puissant de la République de Côte d'Ivoire. L'homme qui contrôle le pays là, c'est le frère du président. Quand vous attendez, Tiené Ibrahima, même si ton papa a un doctorat en malédiction, il faut respecter ce monsieur-là. Ce n'est pas ton ami. On a perdu Ambak, perd son âme. On a perdu Amadou Gon, perd son âme. Tiené Ibrahima tient le pays. Il maîtrise le pays. Qui sont ceux qui ont arrêté le faux général? Qui faisait croire que lui donnait papier de l'ONU là. Tu as vu l'affaire là, non? C'est les hommes de Tiené Ibrahima. Le monsieur, il est dangereux. C'est un sic. T'as dit, de la sécurité. Dans le domaine de l'antiterroriste. C'est un monstre. Il a fait attacher le faux général. Mouvement ou même Ange Kessi. Lui-même qui est, comment on appelle son garde, je sais pas s'il est amiral. Il n'a pas vu dans la marmaille. T'as dit, le gars est fort dans la marmaille. Il a marmaillé toutes les autorités. C'est Tiené Ibrahima qui a pu faire arrêter le gars. C'est Tiené Ibrahima qui a pu démystifier le gars. C'est Tiené Ibrahima qui a pu faire déférer le gars. On appelle Tiené Ibrahima. Écrivez-vous tous. Tiené Ibrahima, tu es un homme fort. Ah, monsieur le président Ado, Dieu t'a donné frère. C'est sans Dieu frère. Il veille sur le pouvoir de son frère. Il veille sur les intérêts de son frère. Que Dieu bénisse Tiené Ibrahima. Oui. Je salue aussi. Voilà. Le ministre. Le premier ministre Patrick Hachi, ouais, voici un homme qui est potentiellement capable de diriger la Côte d'Ivoire. Bon élève du président Alassane Ouattara. C'est un attier. Si on lui a donné le pouvoir, le Sud sera content. On va comprendre que c'est à RHDP là, ce n'est pas un pouvoir de Djula. C'est pas ça. Pourquoi Djula parle bien? Tout le monde est dedans. Ouais, tout le monde mange. Ouais. Mais on va venir maintenant au dossier. Partager la vidéo. On a combien de partages? On va maintenant venir maintenant à la vidéo. Le dossier qui complique l'affaire de Peter 007, je vous explique, partagez la vidéo, mettez-moi le cœur. Le dossier, parce que je vois beaucoup de femmes qui ont rêvé de se faire laper par Peter. Elles sont sur les réseaux sociaux. C'est elle-là qui vient insulter. C'est elle-là qui vient dehors, Makoso. C'est toi qui es en train d'aggraver l'affaire. L'affaire est déjà grave. C'est-à-dire, les vidéos que vous dites que les gens font sortir là, eux-mêmes, ils avaient les vidéos là depuis longtemps. Donc, nous, on ne vient rien dire. Nous, on ne fait que donner communiqué. Donc quand je m'assois là, c'est pour vous donner les nouvelles. Peter 007 n'a jamais été un militaire en Côte d'Ivoire, ni un gendarme, ni un policier. Seigneur Jésus, partagez. Il dit, celui qui va partager la vidéo, Dieu va le bénir. Si je ne vois pas les 4000 personnes connectées, c'est que moi, je ne fais plus vidéo. Non, c'est moi, je ne suis plus blogueur. Actuellement, tu avais hier le dire de Emmanuel Keïta, comment elle est devenue belle. Le Dieu d'Emmanuel Keïta est fort. La écalante, partagez la vidéo. Je respecte cette femme-là. Voilà pourquoi il est vite fait de demander pardon. Il est vite fait de lui demander pardon. Parce que le Dieu qui est derrière Emmanuel Keïta, on l'a tête de Paflotus, mais le Dieu qui est derrière elle là, il est dangereux. Peter 007, ça en va pour 20 ans. Minimum. Je vous dis, c'est une affaire de 20 ans. Et vous dites pourquoi? Et comment sauver le soldat Peter? Parce que il faut sauver le soldat Peter. Mais partagez la vidéo, mettez-moi les cœurs. Peter 007 travaillait avec l'un de mes frères et amis. Il s'appelle Maître Bailly.
Il n'est pas militaire, il n'est pas gendarme, c'est un karatéka. Mais c'est un homme qui aimait Babo. Donc, ils ont créé un mouvement qu'on appelle une Camorra. C'est pour ça que Peter dit, j'étais des forces spéciales. Quelqu'un dit, j'étais des forces spéciales. Il n'a jamais existé force spéciale en Côte d'Ivoire. Dans de quelles forces spéciales on parlait? On parlait d'un groupe de tueurs qui marchaient ensemble. S'ils ont une information sur toi, ils vont t'abattre. S'ils ont un dossier sur toi, ils vont te finir. Si tu déranges le pouvoir, ils vont te finir. Donc eux-là, c'était des tueurs qui étaient dans un groupe. Ils avaient des cartes de, comment on appelle ça, de la DST. Parce que je me rappelle des uns qui avaient la carte là. Il est allé au Gabon, mais il a fait sortir son nom. Il s'en est rappelé son nom. Il a fait sortir son nom. Il est allé s'exiler au Gabon, où il était garde-corps d'une autorité au Gabon. Mais il a retrouvé son nom. Donc Peter était dans ce bon. Ils avaient des tenues militaires et autres. Et ils se faisaient passer pour des militaires. Dans le mouvement de Peter, donc déjà, on est en face d'abord d'un premier délit. Quelqu'un qui n'est pas militaire, qui se fait passer pour un militaire. Amara, tu comprends, non? Quelqu'un qui n'a jamais été militaire, qui portait des tenues militaires, qui avait une arme de guerre. Petit, faut t'expliquer sur ça là d'abord. Voici premier chef lieu d'accusation. Usurpation d'un titre de militaire. Tu dois répondre à ça. Deuxième chef lieu d'accusation. Ceux qui sont tentés de me joindre, partagez la vidéo, mettez-le qu'on est en train d'attaquer le direct. Ils sont en train d'attaquer le direct. Deuxième bambamba qui est tombé sur Peter, je vous explique, c'est que Peter, lorsqu'il disait qu'il était militaire, a fait abattre quelqu'un. Mettez la tête, mettez la tête de mort. Pour qu'on vienne vous donner les informations, mettez la tête de mort. Vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité? Qui a blagué Peter pour venir à Abidjan? C'est le gars, on a trouvé, vous connaissez son nom? Il a dit, ils ont blagué Peter. Quelqu'un a dit, non, il n'y a rien, moi, ça, l'Abidjan, il n'y a rien, il faut aller. Le vieux père Saoignon va gérer. Il n'y a rien. Va casser les papos. Tu as fait 25 000 cas. Conclusion. Allô, c'est pour aller en prison. Il est mal. Mais laissez-moi faire mon travail de blogueur et d'influenceur. Je ne suis pas dans les états d'âme. Moi, je ne suis pas là pour arranger. Je suis là pour donner les informations. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs partagés. Vous ne voulez pas que vous dites la vérité? Vous voulez pas... Chef. Regarde là. Non, ce sont les chefs lieux d'accusation. Voilà. Prenez ça comme ça. Les chefs plutôt, les chefs d'accusation. C'est gâté. Quand Peter faisait ses marmailles en tant que faux militaire, il y a eu un problème où il y a un jeune qui a été abattu par Peter. Il n'est pas le seul. Puisqu'il y a un autre dossier dont on m'a parlé de Yopougon. Où il y a un gars qui a été abattu par Peter. Peter me dit dans ses vidéos que moi, il faut te renseigner à Abidjan. Quand on dit le 007, là, c'est moi. Donc, la famille, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Peter n'est pas seulement dans le problème parce qu'il a dit que lui veut un coup d'État. Donc, ça fait premier chef d'accusation, faux militaire. Deuxième chef d'accusation, incitation et propagande de coup d'État. Troisième chef d'accusation, insulte et menace de mort contre le chef de l'État. Quatrième chef d'accusation, incitation à la haine. Je vous donne tous les chefs d'accusation contre Peter, son dossier. Je suis en train de vous expliquer ça. Son dossier fait actuellement près de 147 pages. J'ai peur. Après ça encore, ça là, on peut gérer. C'est une affaire politique, on peut trouver un accord. Maintenant, ce qui est venu me boire sous Amara, dit je révèle. Dis révèle, je révèle. Je révèle. Non, dis mon général, révèle. Mon général? Révèle. Dis mon général, révèle. Écrivez mon général, révèle, je parle. Si je ne vois pas les 5000 partages, je ne parle pas. Non. C'est pas bon. C'est pas bon. Jesse, je te demande pardon. Faut enlever ta bouille dans l'affaire là. Ça te dépasse. Peter, tout notre frère. C'est ton frère, je te comprends. Mais ta même bouche, ça peut te créer problème demain. Toutes nos vidéos là, un matin, ça peut nous créer problème. Toutes nos vidéos, un matin, nous-mêmes là, ça peut nous créer problème. Donc je veux maintenant vous expliquer. Ce qui est venu aggraver et ce qui est venu gâter l'affaire. Il y a un jeune homme qui a été tué. On l'a accusé d'être un braqueur. Qui l'a tué? Peter.
Et puis tu as fait une vidéo dans laquelle il dit, c'est moi, j'ai fini lui. La famille de ce jeune homme, plus de 10 ans plus tard, n'a pas oublié le visage de Peter, n'a pas oublié le nom de Peter, n'a pas oublié le maître de Peter. Sa famille est allée pendre un avocat. Ils sont allés mettre encore dossier sur Peter pour meurtre. Donc, il y a incitation à la haine. Il y a tentative de coup d'État. Il y a incitation au coup d'État. Il y a injure publique. Il y a, comme on appelle ça, tentative de mettre sur le chef de l'État. Maintenant, il y a faux militaire. Et maintenant, septième chef d'accusation. Maintenant, meurtre. Meurtre. Voilà les gars qui ont pris Peter là. Les gendarmes là. Voilà les gars qui l'ont pris là. Voilà les gars qui ont pris Peter là. Mon vieux, c'est comment? Peter n'est pas dedans. C'est les gendarmes là. C'est eux qui l'ont pris. Voilà les gars qui ont pris Peter. C'est moi là. Moi, mais parce que c'est moi, ils cherchaient même. Voilà les gars qui ont pris Peter. Voilà, les gars qui ont pris Peter. Voilà les qui sont là. Et ceux-là, on va t'amuser. Le gars était couché à nous, hôtel. Matin, le mamou. Je suis celui qui venait de mourir une fille. On dit co-co-co. Bonjour, monsieur. On dit bonjour. Gendarmerie nationale, venez nous, s'il vous plaît. C'est vous, monsieur Assalé? Il dit oui, oui. Mais qu'est-ce qu'il y a, mon vieux? Il dit non, viens, il y a une affaire, on veut vous poser quelques questions. Et il dit, mais est-ce que vous avez appelé mon vieux père Saounian? C'est qui? Il dit non, Saounian. Saounian n'est pas le ministre de la Justice. Il n'est pas le procureur de la République. Le procureur demande qu'on te pose des questions. Ou bien, monsieur, vous voulez résister? Il dit non. Mais on va où? Au moins, il a informé mes frères. Il dit, on va à la brigade des recherches. Habillez-vous rapidement, vous allez nous suivre. Le film a fait gang, 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 gang. Gain, gain, gain. Et regardez comment le gorille des États-Unis a commencé à changer de langage. Il est devenu RHDP en même temps. Le gorille dit que lui n'a jamais cité le président. Lui, en tout cas, lui, selon la procédure, logiquement, Peter, le ministère de la Justice devait amener un document à Peter. Toi, tu es gorille là. Tu penses que la connexion a problème. Mettez les cœurs. Ils sont en train d'attaquer le direct. Ils sont en train de mettre les têtes de mort. Mettez les cœurs. Mettez assez de cœurs. Ils sont en train de mettre les têtes de mort. Pompez-moi les cœurs, s'il vous plaît. Ils ne veulent pas que je parle. Celui qui met les cœurs, que Dieu le bénit. Mais enfin, moi là, je ne suis plus dans un état d'âme. Je souhaitais la libération de Peter. Mais affaire de mort d'homme là. Champion, le sang réclame le sang. Quand tu as fait sur le sang va te réclamer. C'est le même qui dit, ma cause a tué sa femme, non. Donc le sang de ma femme va me réclamer un jour. Mais si je ne l'ai pas fait, vous qui m'accusez, le sang de ma femme va vous réclamer. Ça, c'est clair et net. Ça, là, il n'y a pas de débat dessus. Donc, je vous explique le mouvement. Le dossier qui est venu tout gâter, c'est que Peter a fait une vidéo où il dit que c'est lui. Est-ce que tu m'écoutes, Amara? Dans la vidéo, il dit que lui, il a tué le petit. Voilà, c'est lui qui a fini lui. Il dit, il a fini lui. C'est moi. Avec fierté, avec gloire. Ils lui ont présenté la vidéo. La seule chose que Peter a dit depuis la dernière fois qu'on l'a pris, c'est je demande pardon. Je demande pardon. Je demande pardon. Je demande pardon. On dit donne-nous ton numéro de matricule en tant que militaire. C'est là que Peter fait ressortir qu'il n'a jamais fait formation militaire. Il n'a jamais été militaire. Donc qui étais-tu? Qui es-tu? On accuse Emmanuel Kita d'être une pafloteuse. Donc quelqu'un qui n'est pas militaire, mais qui dit qu'il est militaire, on appelle ça voilà le pafloutage. Et puis on t'invite dans une émission, on vient parler du pafloutage. Et toi, si tu viens, tandis que toi-même, t'es un pafloteur. Ouais, maintenant c'est gâté. C'est gâté. Les gars, c'est gâté. Toutes les femmes qui rêvaient que Peter les lape là, moi je vais vous donner information. C'est gâté. Vous n'êtes même pas capable de prendre un avocat. Qui va prendre un avocat actuellement? Qui va prendre un avocat pour sauver le soldat Peter? Fais partager la vidéo, mettez les cœurs. C'est gâté. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Le gorille dit que non, logiquement, le ministère de l'Intérieur doit faire un papier. Vous êtes qui, vous les blogueurs? Vous les sales petits blogueurs? Vous les petits voyous de blogueurs? Vous les mal élevés de blogueurs? Pour que l'État de Côte d'Ivoire fasse un papier pour vous. Vous représentez quoi ici? Vous faites vidéo des 30 000, 40 000 personnes là, qui vivent là. Vous croyez que c'est ça que l'État regarde? Vous n'êtes rien, vous ne représentez rien. Vous n'êtes même pas capable de... Ouais, mais ça passe. Ça va passer, il faut te faire toi-même. Hein. Les gars, mettez les cœurs, on attaque mon direct. Vous voyez comment je suis attaqué? Vous voyez comment je suis attaqué, non? Mettez-moi les cœurs. Vous voyez comment je suis attaqué? Mettez-moi les cœurs, pompez-moi les cœurs. On attaque mon direct, on ne veut pas que je parle.
On ne veut pas que le général Makosso parle. Mais aujourd'hui, là, je vais parler. Je vais parler. Mettez les cœurs. On ne veut pas que je parle. Donc, le dossier est devenu un dossier de tentative de coup d'État et de meurtre. Donc, l'affaire devient maintenant grave. L'affaire maintenant devient sérieuse. L'affaire maintenant devient une affaire grisonne. C'est-à-dire, toi-même, quand tu t'en demandais pardon, on te dit, mon ami, est-ce que tu es informé qu'il y a mort d'homme? Tu dis, aïe, mort d'homme comment? On dit, sors d'ici. On vient encore t'informer. Est-ce que j'ai dit, le Dieu d'Emmanuel Keïta, il faut le respecter. Emmanuel Keïta, vraiment, il faut nous dire, on t'a lavé avec quoi? Et Adama, on peut faire ça. Tout c'est les gâtés. Mais bien sûr, je les appelle des Makosso. Parce que l'affaire fait du bruit. Pardon? Donc le chef de l'État ne savait pas de quoi il s'agissait, Amara. Donc, il y a quelqu'un qui a pris la vidéo où il dit qu'ils vont pisser sur le corps du président pour aller monter son président Ado. Quand le président Ado a vu ça, il dit, mais dis donc, Amara, tu viens la manière de parler du président, non? Il dit, mais dis donc, mais quand même, un peu de respect, les gars, le dossier est gâté. Le dossier est gâté. Je vous explique. Ce qui est venu gâter même le dossier, c'est l'affaire de mort. Meurtre. Parce que tu dis que tu as arrêté un braqueur. Tu dis que le jeune, c'est un braqueur. Tu n'es pas policier. Tu n'es pas gendarme. Tu n'es pas militaire. Mais tu as tué le jeune en tant que qui se meurtre. Parce que même un braqueur a droit à un avocat. A droit à une justice. A droit à une justice. Donc, quand on s'assoit pour parler là, c'est pas parce qu'on est content. C'est parce que nous-mêmes là, c'est en train de nous servir de leçon. Et bientôt, vous allez apprendre. Parce que quand le chef de l'État voit ça, il sait que le monde des blogueurs là, c'est un monde dangereux. Donc maintenant là, il y a Interpol qui va prendre des dossiers et des mandats d'arrêt seront lancés contre certains influenceurs. Yéli, tu insultes aux États-Unis là. Un petit mandat d'arrêt va circuler dans les aéroports. Dès que tu te présentes, on t'attache. Malgré ta nationalité américaine. Oh non, moi, je n'ai jamais insulté le président. Je n'ai jamais appelé à la mort. Les gens ont ton dossier. Quand ils disaient à tous les gens de Lakota d'aller tuer là, on appelle ça incitation au meurtre. Même s'il n'y a pas eu mort d'homme, on appelle ça incitation. Mais toi, tu dis toujours, c'est toi qui es le plus intelligent. C'est toi qui connais tout. C'est toi qui sais tout. Oh, tu ne connais pas le droit. C'est nous, on a fait prison, nous, on connaît le droit. Vous êtes au niveau de à 8000 km, 6000 km. C'est vous qui savez qui est prostitué à Abidjan. C'est vous qui savez qui est volé à Abidjan. C'est vous qui savez qui a tué sa femme à Abidjan. C'est vous qui savez qui a giflé son papa à Abidjan. Y'a idiot. Y'a idiot. Ça a fait rire à Abidjan. Hein? Le jour où tu apprends que ta maman est décédée, c'est là que tu as dit comment j'ai fait pour rentrer à Abidjan. Quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Nous, on a compris. C'est pour ça qu'on est calme maintenant. Là. On est dans notre coin. Maintenant, là, on n'insulte plus. On dit, oh, ma conscience, qui est d'acclacher, je ne réponds pas. Parce que je ne suis pas obligé d'aller voir le procureur pour porter plainte. Je fais ce qu'on appelle une plainte en instruction directe. C'est-à-dire, quand tu arrives là, on te prend, on t'interroge, on te juge et puis on t'envoie. On appelle ça le pouvoir de l'argent. Hein, maman? Maman? C'est gâté. Hein? C'est gâté. On dit, Peter ne fait que demander pardon. Comment il va renouveler ses papiers? Amara, ça fait pas rire. Faut pas rire du malheur de quelqu'un. Peter. Hey. Mais qui l'a blagué? Qui l'a rassuré? Je suis sûr que c'est Jesse. Parce que Peter ne peut pas venir à Abidjan sans appeler Jesse. Jesse, tu es responsable de ce qui arrive à Peter. Parce que au moins, tu aurais pu dire à ton frère, mon frère, là-bas, là, c'est pas bon, faut pas aller. Tu aurais pu lui dire ça. Mais tu n'as pas dit ça. Tu as laissé ton frère venir. Tu as laissé ton frère venir. Peter n'a jamais été un corps habillé. Voici l'information qui est tombée. Peter n'a jamais été militaire. N'a jamais été gendarme. N'a jamais été policier. Donc vous dites que nous là, on n'est qu'à aller demander pardon là. Mais on va demander pardon sur la base de quoi? Sur la base du faux? Parce que nous on nous pose la question. Makosso, est-ce que vous le connaissez? On dit oui, on le connaît. C'est un gars, il était militaire. On dit Makosso, voici son audition. Le gars n'a jamais été militaire. C'était un milicien. Les gars qui faisaient affaire comme les GPP là, c'était un mouvement comme ça. Dans sa pitoyité. Il n'a jamais été militaire. Jamais.
jamais été policier. Et dans ça encore, où on sait que tu n'as pas été militaire là, on vit puis on n'a pas encore à faire ton mon corps. Qu'il y a une famille qui est venue porter plainte pour meurtre. Et tu es Adama. On peut faire ça. Adama. Vous les petites femmes qui voulez que Peter lave vos clitoris. Et hey Peter, sa bouche est rouge. Et hey Peter, le mamou. Actuellement, il est en train de mamoutiser. Au calme, à la maca. Il faut que Jesse, tu dois lancer cagnotte. Pour Peter, sa voiture là, vous devez vendre ça. Parce que là où il a actuellement, Peter est là, il a besoin d'un très bon avocat. Il n'a pas besoin de pardon. L'affaire de Peter là, il n'y a pas pardon. On ne pleure pas. Il n'y a pas pardon. La famille qui a perdu leur enfant là, tu as dit quoi? Que non, pardon. Quelqu'un a battu mon frère. Et Peter a demandé pardon. La justice va faire son travail. Voici l'information qu'on nous a donnée. Première information, Peter n'a jamais été militaire. Deuxième information, Peter a tué quelqu'un. Quand il disait qu'il était militaire, il disait qu'il a fait, il était force spéciale de Gbagbo. Donc, quel était son rôle? Même Gbagbo ne le reconnaît pas. On demande au président Gbagbo, on dit Peter 007. Il dit, c'est qui? Moi, j'étais à la CPI. Hein. Moi, je ne connais pas l'enfant. On dit, mon vieux, mais voilà la photo. Il dit, mais je n'ai pas en photo à tout le monde. Tous les soldats qui ne veulent pas en photo, je n'ai pas en photo à eux. Ça ne veut pas dire que je les connais. Je n'ai pas le numéro de matricule de chacun. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Emmanuel Keita à Abidjan, on dit Peter, viens faire classement des papos. Le paflotage dans un couple. Aklikata, klikata, klikata, klikata. Le mamou. Le mamou. Je prie que Peter sorte. Mais vraiment, pour qu'il sorte là. Et il faut un bon avocat. Moi, Camille Makoussou, je le dis honnêtement, je mets 1 million dans la cagnotte. Ou bien Amara. Parce que même quelqu'un qui a souhaité toi ta mort. Je pense que si un malheur m'arrivait, Peter n'allait jamais être content. Je le pense, moi je le pense sincèrement. Je pense que Peter n'allait jamais être content. Parce qu'il y a au moins une petite sympathie en lui, vis-à-vis de moi. Mais, il lui faut un avocat. Moi, Camille Makoussou, je ne sais pas où est la maman de Peter, où est la famille de Peter. Mais moi, c'est vrai que je parle avec, pour animer, pour enjailler, par exemple, c'est Facebook. C'est Facebook. Donc je parle pour animer. Mais, je mets 1 million pour son avocat. Pour aider Peter. Si les 1 million peuvent l'aider à s'en sortir, je le fais. Et je le fais avec le cœur. Je ne le fais pas pour avoir abonné. J'ai plus d'abonnés que Peter. J'ai plus de fans que Peter. Je suis plus suivi que Peter. Donc je ne fais pas ça pour avoir abonné de quelqu'un. Emmanuel Keita, je m'adresse maintenant à toi, ma soeur. Un homme qui a baissé ta culotte, au moins, il faut préparer pour lui donner. Amara, bien. Elle n'est qu'à préparer. Manu. Quelqu'un qui a baissé ta culotte. On t'a vu Peter Joseph. Il a préparé, tu as mangé son argent. Manu. Emmanuel Keita. Partage. Identifier Emmanuel Keita. Faut préparer couscous au moins tu allais lui donner. Tu vas montrer qu'après l'amour là, c'est pas la guerre. Ton onction est trop fort. Donc, vous qui avez des procès avec Emmanuel Keita. Il y a un qui a la maca. Il y a un qui a la maca. Manu. Procès que tu as en France là, moi mais t'es bon, pardon, faut laisser ça. Parce que ton procès même là, c'est pas un procès où il y a peine de prison dedans. Voilà, c'est amende, ça va pas aller quelque part. Un jus de Facebook. Mais Peter, faut préparer un chip. C'est-à-dire tu t'habilles dans la tenue glorieuse et puis tu vas le voir en prison. Et puis tu dis, bébé, c'est maintenant que je vais te montrer que je t'aime. Et que je n'étais pas une tafloteuse. Et puis tu le prends dans tes bras. On dit Emmanuel Keita est allé rendre visite à Peter 007. Tu montres au monde entier que tu n'es pas une femme rancunière. Emmanuel Keita, fais-le. La Ekaland, je vous donne un conseil. Ne jamais vous réjouir du malheur de quelqu'un. Ne jamais vous réjouir du malheur de quelqu'un. Moi, je suis en train de me réjouir. Je suis en train de faire Congo ça. Je suis en train de donner les vrais sons. Les vrais sons. Les influenceurs du RHDP, là, respectez-les. Comme il s'appelle l'autre là. Ladji. Il y a un influenceur qu'on appelle Ladji. L'influenceur qu'on appelle Ladji, là. Mais respectez-le. Respectez-le. De tous les influenceurs RHDP, le numéro 1 s'appelle Ladji. C'est lui qui a piqué. Dès que Peter est arrivé net, c'est lui qui a commencé à faire vidéo. Oh, le gars, il est suivi par tous les responsables, par tous les cadres RHDP. Ils ont dit,
affaire, on n'est qu'à voir clair dedans. C'est en voyant clair là que les gars de Peter eux-mêmes ont commencé à faire sortir des vidéos. Et qu'il a fait Amiral Blindé. Voici le plus grand sorcier dans le GPS. Il s'appelle Amiral Blindé. Donc, ici à Côte d'Ivoire, le gorille, là, il y a 11 plaintes qui l'attendent. S'il ne savait pas, moi, je lui donne l'information. Ça, c'est de sous-sorcier. Il y a 11 plaintes. Menace de mort. Incitation au meurtre. Comme on appelle ça, incitation à trouble à l'ordre public, injure publique, calomnie, diffamation, tout ça là, le dossier est là. Et puis on attend à mon an, c'est cuit. Mais vous savez, quand le diable veut te perdre, il met une petite diarrhée en toi. Ton cul fait popo, 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 popo. J'ai envie d'aller bien, j'ai envie d'aller bien. Mais il y a une petite fille qui est ici, qui est en train de t'exciter. Elle t'amène les photos de ses seins. Tu dis, oh, il faut que j'arrive à bien. Maintenant, qu'est-ce que le goy va faire? Il va appeler son gars sûr. Yaku, voilà. Ils avaient Yaku. Il va appeler Yaku. Ouais, c'est comment? Quand tu es allé à Abidjan, comment tu as géré pour rentrer? D'accord. Oh, moi, je connais mes tantes, il n'y a pas de problème. Voilà, il faut gérer pour moi aussi. Voilà, il faut vérifier là-bas. S'il n'y a pas que je. Oh, on a vérifié, il n'y a rien à l'aéroport. Ok. Maintenant, là, on ne met plus nous à l'aéroport. Parce qu'on sait que les gens vont se renseigner à l'aéroport. On laisse vous le rentrer d'abord. On laisse le gibier rentrer. Quand tu rentres, on attend. Quand ton séjour est fini, tu n'as plus l'argent. C'est quand maintenant tu es reparti à combien? Tchalak. Bonjour, monsieur. Police nationale, veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Je suis américain, monsieur, s'il vous plaît. L'américain n'est pas au-dessus de la loi. On arrête des Américains au Qatar. On arrête des Américains aux États-Unis. On arrête des Américains en France. Tu as combien de délits dans un pays? Tu vas répondre. Parce que le citoyen du pays a porté plainte contre toi. C'est dans ça, là, maintenant, que tu dis, on va demander pardon. Ouais, mon vieux père, c'est redié, ma vieille mère, Tina, maman Tina. Eh, coach à mon chic, pardonnez, je suis fait un mois là, j'étais traité de trafiquant de drogue, mais c'est le game. On dit ok, la place de gorille, c'est au zoo. On a trouvé un zoo pour toi. Ça s'appelle la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Tu vas aller te zolifier là-bas. Depuis qu'on a attaché Peter, les influenceurs ont commencé à changer de langage. Parce qu'ils ont compris qu'on peut aller en prison. Les amis, partagez la vidéo, hein. Makosso a parlé. Partagez la vidéo. On ne pleure pas. Il est interdit de pleurer. Vous voulez faire le game. Vous voulez faire clash. Continuez. Non, on ne fait plus clash. Non, les derniers maintenant, conseiller. Non, on conseille maintenant. On donne les bonnes nouvelles. On aide les gens. On prêche l'évangile. On fait le coaching. Vous ne voulez pas faire ça. Oh, ton maudia, ploco, placa, beurre. Mets compte de ta maman. Mets compte de ta petite soeur. Mets compte de tout ton village. Ça là, ça envoie à la maca. Il faut avoir toutes tes relations que tu veux. Si la personne a pris un avocat déterminé, ta relation appelle et puis l'avocat dit, vous faites quelle erreur? Non, fais conférence de presse pour dire ton nom. Que c'est toi, ministre, qui empêche qu'on mette le gars en prison. Qui va accepter que son nom arrive sur le président de la République? Ceux qui vous comptez là, ils ont peur d'un seul homme. Il s'appelle Alassane Ouattara. Le président Ouattara a donné instruction. Celui qui intervient dans un dossier judiciaire, il perd son poste. Vous avez compris, non? Je suis le président de tous les blogueurs et influenceurs ivoiriens et africains. C'est moi, je suis le président. Je ne demande pas élection. Je m'impose à vous. Parce que vous êtes tous mes petits. Voilà, vous ne pouvez même pas traiter un dossier. Voilà, je suis votre père. Dès lors, écoutez-moi bien. Ressaisissez-vous. La Bible dit, si tu sais que tu es en parlable avec ton frère, réconcilie-toi avec lui. Pendant que vous êtes en chemin, pour ne pas qu'arriver devant le juge, on puisse t'attacher et te jeter. C'est ce que la Bible dit. Donc, à bon entendeur, Amara, il fallait prendre chariot là, s'il te plaît. Moi, j'ai parlé. On parle, on n'écoute pas, on s'en fout. Et nous là, encore. Hé, Abidjan. Même Emma Loès a été attachée. Même le grand Mola, Amba qui est vivant, ils l'ont attaché à faire de Covid. Vous avez oublié. Yodé et Siro, ils les ont attachés. Vous avez oublié? Vous avez oublié? On ne pleure pas. Il est interdit de pleurer. Continuez dans vos clashs. Il y a des gens ici, moi, je devais faire attacher parce que le dossier est en instruction. Mais j'ai réfléchi deux fois. Hein? Est-ce que si on va en procès avec ces personnes, ça ne va pas encore leur donner plus de popularité? Mais qu'on s'en dit, si tu as lui donné encore non. Parce que la victimisation, c'est ce qui prend. Il a dit, ok, je laisse tomber. Il y avait tous les droits. Le dossier était bouclé, bien bouclé. J'étais prêt à affronter n'importe quel juge, n'importe qui allait se présenter devant moi. Je me suis même rendu au ministère de la justice.
J'étais prêt. Mais il y a une voix qui m'a dit, pardonne. Ça ne coûte rien. Laisse. Il a laissé. Je veux plus de ça. Paye ça, ça devient baisse. Oh, Makoso, il est jaloux. Il dit, laisse ça. Chacun n'a qu'à continuer sa vie. C'est à la fin du film. On va voir qui était dans la vérité et qui était dans le mensonge. Tout ce que vous dites, vous serez jugé par rapport à cela. C'est moi qui vous dis ça. On parle, vous écoutez. Non, nous, on s'en fout. Nous, c'est papo. Hé! Cassement des papos là, ça envoie la maca. Faites vos blogs. Mais cassement, ça envoie la maca. Vous n'avez pas vu Lolo Beauté? Elle a changé de gamme. Elle n'est plus dans le clash. Elle fait copie de vidéos. Elle mange son jeton de Facebook propre. Facebook là, il y a l'entêtant. C'est comme le goût, tous les jours fait vidéo. Il sait que c'est Facebook qui le paye. Quand il finit une vidéo 300 euros, il finit une vidéo 200 dollars, il mange. Mais gorille, écoute-moi, je suis ton père. Moi, tu n'es pas mon ennemi. Je te vois, tu es excité, tu joues les dangers. Toi et moi, on s'est croisés. Toi et moi, là, on s'est croisés. Tu sais ce que tu m'as dit. Toi, mon adam, parle au téléphone. Tu es trop petit. Mais il te donne un conseil. Il y a 11 plaintes qui t'attendent à Abidjan. Tu mets ton pied à Abidjan. Moi, il te dit, 5 ans, je t'interdis de mettre tes pieds à Abidjan. C'est moi qui te donne l'ordre. En tant que ton père, 5 ans, il ne faut pas mettre tes pieds à Abidjan. Le jour où tu apprends que ta maman est décédée, tu as suivi le funérail par appel WhatsApp. Sinon, ils vont t'attacher ici comme un gorille. Ils vont te jeter aux eaux. Tu vas lire l'heure. Pour l'heure, là, c'est mes conseils que j'ai donnés au Jesse. Toi aussi, tu as un dossier ici qui t'attend. Parce que tu aurais parlé d'une femme qui couche avec son grand-père. Je suis allé sentir le dossier. Jesse, je m'en fais, il t'a balancé le son. En monnant ses culs. Côte d'Ivoire, là, vous n'allez pas manger poisson braisé. Vous n'allez pas aller à Sini. Vous n'allez pas suivre la Coupe d'Afrique des Nations. Ah, à cause de quoi? Cassement des papos, buzz, clash. Yeah, maman, on ne pleure pas. Il est interdit de pleurer. J'ai fini de parler. Donc, Peter est dans des vrais problèmes. Mais, retenez aussi que le général donne 1 million pour son avocat. À bon entendeur, partagez la vidéo. Je vous aime.